Kayara. Le projet de la baraque, depuis janvier, les enfants sont entrés vraiment dans la partie créative, c'est-à-dire des ateliers dans lesquels ils font du chant, ils font aussi des partitions graphiques qui leur permettent vraiment de développer eux-mêmes des parties musicales qu'eux vont mettre sur scène, et un atelier instrumental, avant tout avec des maracas. Pourquoi la maracas? Parce que l'idée était de lier avec un instrument percussif simple, mais quand même particulièrement intéressant pour travailler de manière chorale, trouver le lien avec la partie du projet de El Niño, la partie sur la musique de George Crumb. Ensuite, la dernière volet créatif qu'ont développé les collégiens était le travail sur la scénographie. Sur la scénographie, ils ont chacun développé leur univers scénique à partir d'un poème de Garcia Lorca. Et ensuite, le deuxième pas depuis janvier était travailler sur une scénographie qu'on a développée ensemble avec la scénographe, dont on peut voir le plan ici derrière, qui a donné à cet objet multiforme, qui ici est en taille réduite, qui va être environ grand de 2 mètres, et qui raconte d'une manière assez abstraite toutes les facettes possibles de comment on peut interpréter la poésie de Garcia Lorca. Alors, qu'est-ce que ça nous a apporté pour les élèves? Ça nous a apporté un niveau de responsabilisation extrêmement intense, parce qu'ils sont concernés, parce que tout le volet du projet est devenu pratiquement leur matière principale, et parce que à partir de janvier, le projet, on l'a développé vraiment selon ce qu'eux, ils ont mis dedans. Leurs envies, leur personnalité et leurs capacités, à partir de maintenant, il leur appartient. Maintenant, pour la suite, il s'agit de faire le travail de répétition, c'est-à-dire rendre les scènes crédibles, lisibles, et surtout donner aux collégiens envie de s'amuser avec toute cette matière.